SD dans Pocho à travers toute la République à faire répression. Il y a plus espionnage à faire, rapporter monde et puis depuis qu'on a débarqué la caillou, arrêter ou battre ou bien relayer la police ou bien VSN venir arrêter ou. Et je sais, Jovenel Moïse, c'est une folie de dictateur, mais oublier que nous parlons en 71 ou 77. Donc nous avons essayé, comme il voulait, rester au pouvoir indéfiniment. Donc le modèle, monsieur, c'est François Duvalier, et c'est ça que nous avons fait là, c'est essayer à travers les gangs, à travers la politisation de la police nationale, à travers la politisation, même toujours fait distinguo entre la police nationale et le USGPN, qui a supposé une unité de la police nationale, mais vous remarquez, et M. Gédéon, on est venu là, je ne pas reconnaître. Ça a fait dans le GPN, ni machine, ni ZAM, M60, M50, yo, yo, uniforme, yo, machine yo, qui coule le cacajaco, etc. Ce n'est pas machine la police, on n'est pas reconnaître. Donc, à travers ces entités, que l'IG9, que nous allons parler de tout à l'heure, que l'IG9 dans la police qui est complètement politisé, que l'IGPN qui est complètement politisé, et qu'on est là, nous sommes mettre ça, et nous allons regarder le mode de recrutement, nous sommes mettre un groupe moun là, ministère intérieur, monsieur ça a ni indépendant du ministère intérieur, qui pourra recruter une équipe moun qui pour faire une sorte de police secrète et la donner pratiquement au-dessus de la police. Et première observation que je fais sur le texte, constitution en vigueur là, il est clair sur ça. On y prévoit deux entités armées sous pays. C'est la police et l'armée. Et il est clair plus loin. Didjou, chef de la police là, qui est désigné par le président, doit être ratifié par le Sénat avant de prendre fonction. Je rappelle, en 2019, le président Jovenel était nommé Normil Rameau, il y avait le Sénat encore. Le Sénat était encore debout, c'était en juin ou juillet 2019. Il fait exprès, il mettait l'AI pour être capable de contrôler, même si on le fait pour chef l'état-major là et l'armée, même j'en fais pour gouverneur banque centrale et les membres du conseil, même j'en fais pour conseil BNC, etc. L'Ikebe tout le monde grand ou même un gagan pour le cap faire, pour le cap faire au fait, ça le voulait. C'est le bon job quand membre conseil BNH ou BNC côté ou un salaire de au-delà de l'équivalent de 10 000 $ américains ou pas voulait perdre du job ça. Donc tout ça, président m'a fait. Donc pour nous entrer dans le texte, donc, vous devez faire une mise en contexte. Alors, là, monsieur Sotouba, là, que la population, malheureusement, pas de accès à elle, parce que quand même, c'est moniteur à côté cher, c'est 990 gouttes texte et documents, mais, moi, ma voix, soit, peut-être, n'a pas fait mon plus ou moins mettre au courant. Alors, bon, je lis quelques petits articles rapidement pour téléspectateurs et auditeurs, pour nous comprendre qui ça nous est là. Et, bah, William Djou, Jovenel Moïse, pas de droit, sorti aucun décret. C'est le 40e décret ou 39e décret que le sorti depuis janvier. Donc, je vais prendre un décret et il y a un cap sorti. Je me dis dans le texte, dans le moniteur numéro 40, il y a deux décrets. Mais après, il y a un an. Monsieur Djou, personnel qui travaille pour l'agence, il y a un agent. Sinon, le monde n'est pas recruté. Il y a un 14, une vingtaine d'attributions. Et toutes attributions, sous l'IO, c'est attribution la police ou bien l'armée. Que monsieur a doublé. Ok? Mais je ne vais pas lire trop de temps. Il y a 23 attributions. Ok? Mais bon, même les deux ou trois pour vous. 16 attributions. Sans stress. Aniangé pour fournir chef de l'État un rapport quotidien se rapportant à la sécurité nationale et à la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Pendant que. Et numéro 16, oui. Pendant que Mounsayo a travaillé pour. Ministère intérieur, chaque matin, pas oublier ministère intérieur, le ministère supérieur, qui est le premier ministre, qui lui-même est chef CSPN, conseil supérieur de la police nationale. Donc, Mounsayo, il n'y a pas de rapport pour le CSPN, il n'y a pas de rapport pour le chef de la police, il n'y a pas de rapport pour le chef de la mer, c'est président chaque matin. Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Voilà, vous avez un extrait dans mission santé réalisée avec le sénateur Benoît Nadekay. Théoriste là? Nous venons dans un cafouillage juridique sur le plan méthodologique, parce que nous avons un code pénal qui a tout un chapitre, code pénal, nouveau code pénal, qui a tout un chapitre qui traite de terrorisme, de crimes contre la nation. Et qu'on a, nous venons gagner un décret, pendant que le code pénal, là, probablement, il fait l'objet
de discussion que les commissions qui travaillent sur le pouvoir passer bien que décret là par rapport et donc porte pénale après l'entrée en vigueur et puis l'autre texte qui vient ajouter. Est-ce que l'ajouter, est-ce que le vin modifier texte code pénal là? Donc sur le plan juridique pur, nous en bloc griot, parce qu'on pral vinge texte décret ça, il est toujours assorti d'une clause d'abrogation qui dit l'abroger toute loi qui lui sont contraires. On a l'article premier texte dit outre et les dispositions du code pénal, mais qui je n'ai pas défini et théoriste. Donc ça veut dire qui ça? Nous gagnons deux textes qui en parallèle et une capable de modifier l'autre, mais ça qu'on a nous vient un problème en bloc sur le plan de la forme, un problème juridique qui texte en application et ces textes ça qui est vertu pour modifier texte code pénal là qui prend en vigueur dans 2 ans. Donc ça nous pas connaît. Et deuxièmement, l'autre texte sous théoriste li fait ça reler dans droit nous, li vient par raison on cumul de peine. Alors que généralement dans droit pas nous pas cumul de peine. Par exemple, de peine si yo reproche par exemple association de malfaiteurs, vol armé etc., ou bien assassinat, l'arrivé tribunal yo pas mal bon une peine pour chaque ça yo pas bon peine pour infraction qui pire. Or le texte qui sorti ça là li ba yon possibilité pour cumuler peine. Alors si m'tache chancré sur l'autre texte qu'on gagne, c'est ça qui s'arrête à mien. Côté aussi vous consacrez une disposition de caisse de c'est que agent ou pas carré le la justice si c'est pas autorisation administration agence là et président de la République. Express oui. Souvent faut analyse juridique. Si vous tenez l'état de droit, ou t'as pas le prudence, par exemple, par rapport à la Constitution, si on a violé la liberté individuelle, par exemple, la Constitution, article 27, 28, 29, 30, chapitre qui parle de liberté individuelle, là, il dit, dès pour attaquer la liberté individuelle, au monde, quel que soit comme on t'appartenir, ou qu'à traîner un tribunal, et sans permission préalable. Donc, à ce moment-là, et dans ce cas, la responsabilité civile de l'État est engagée. Comprenez bien? Mm-hmm. Vous voulez faire analyse, vous gris analyse juridique qui est par rapport à la Constitution, par rapport à la loi, il n'est pas colté. Donc à ce moment-là, vous pouvez dire que le texte est capable d'entacher la constitutionnalité, mais l'exécutif a pris le rire, parce que vous dites vous-même, dans une situation politique, doit bébé, parce que la politique saisit le droit. Donc vous pensez que la meilleure analyse, vous pouvez faire le texte, c'est des analyses que vous avez fait politique, pour que des acteurs politiques. Pour être capable de faire des analyses politiques. Mais si c'est analyse juridique, pour le pire, faut analyse juridique, pour aller à l'encontre de ça, texte, yo, prévoit, et laisse ça, ou qu'à taxe, à risque, ou taxe, que radio n'a pas objectif encore, parce qu'on va pas analyser un document politique avec des outils juridiques. Mais il y a le décret, donc il établit, moi-même, et m'obligerait été accroché au droit. Maintenant, ça dit qui ça et pour l'état de droit, ou soit dit là, non pas dans l'état de droit, bien entendu, mais pour nous dimensionner que l'exécutif créé en agence, l'ibal pouvoir pratiquement en juge d'instruction, il ca rentré sous contour, il ca fait perquisition la caillou, il ca exécuté mandat et demanda la justice ou pas qu'on identité, c'est deux monde seulement à prendre l'agence, mais conseil de monde mettre particulièrement les maps litex à disposition ça mais deux mains en tête. Est-ce qu'on comprend que mettre deux mains en tête? OK, vous comprenez mettre deux mains en tête. Mais vous pas autant dire moi dit que nous parlons état de droit, pas moi dit ça. Ça oui. faut toujours repasser bonne sonote que on te recevoir un grand conseiller de l'exécutif qui te dit. Et mettre Guichardo professeur oui, en matière de bien ça va nous. En matière de crise politique, la politique saisit le droit. Mm-hmm. Bon, nous avons une société à pas comprendre ça je veut dire. Il veut dire là c'est le par exemple le parallèle principal le criminel chez le civil en état ça veut dire que faut qu'il finisse résoudre situation politique là pour nous tourner dans la loi. C'est comme si c'est pas moi qui dis c'est yo et yo très cohérent. Ou pas le faire interview avec sur la constitution là parler dit oui mais pour nous constitution pas dire référendum jour non nous pas modifier n'a changer donc c'est très cohérent et ça fait qu'on a si n'a fait analyse là sur le plan juridique n'a très biaisé et pas moi dit nous parlons état de droit nous état policier donc c'est la politique maintenant qu'a mené donc on a sorti là
L'autre article, ça, on parle tomber bref pour le code de destruction criminelle, là, c'est une analyse juridique. On parle que vous avez un pouvoir de OPJ, de officier de police judiciaire. Donc, quand il y a pour nous faire enquête, pour nous faire perquisition, et on dit que vous n'avez pas la police judiciaire, là, c'est-à-dire le commissaire gouvernement, juge d'instruction, juge de paix et la police. Si on vient là, quand même, là, on l'est, qui parle. Qui est 6h du matin, 6h du soir, qui n'a pas de flagrant délit, qui n'a pas quitté l'entrée. Parce que vous n'avez pas de perquisition. Et si vous manquez de faire ça, vous n'avez pas aller à la justice contre vous. Mais l'agence, vous venez là, vous dites, non seulement vous avez le même pouvoir, ça, mais vous même, l'agence dans d'autres publics, qui fait que, quelle que soit action ordinaire ou extraordinaire, fait contre Mounsaïo, est irrecevable. Ça veut dire que c'est des agents qui gagnent sur le plan juridique. Pouvoir plus parce que le président de la République là, parce que le président de la République là lui-même, s'il commet des fautes l'exercice de ses fonctions, entre guillemets, dans un état normal contre toute institution, ou carrément devant la haute cour de justice. Or, à juste ça, dans le cadre de travail, nous n'avons pas qu'un côté sous la tête d'Haïti, ou carrément, parce que tout simplement, et lui a dit l'idole public, ma côté. Article 67, ça, qui t'aime l'île Boumounieu, c'est lui-même qui m'a évoqué là, l'agence est d'ordre public. Tout recours ordinaire ou extraordinaire devant les tribunaux visant à empêcher le fonctionnement ou l'exécution de ces activités est irrecevable. Donc c'est ça que je veux dire, j'ai des pouvoirs exorbitants même par ces présidents de la République là. Donc, ce qui veut dire, c'est ça que je veux dire, la question, hein, toujours rappeler aux frères ça. L'exécutif a joué une crise politique, la politique saisit le droit. Nous parlons de situation. Malheureusement, nous parlons d'état de droit. Il faut apprendre des gens qui font politique, spécialiste politique et sciences sociales qui vont analyser avec vous état totalitaire et état situation de révolution. Or, nous ne parlons pas d'un état totalitaire, nous ne parlons pas d'une situation de révolution. Nous avons une situation qui est capable de dire, qui déclare, qui s'apparente à la situation 86 là. Les CNG attendent Nick Montet. Puisque nous avons une situation qui s'apprête à la révolution, ils mettent la constitution 83, ils ne mettent pas en vérité, ils écartent. C'est ça que je veux dire, analyse juridique, n'a fait là, la biaisé. Les cas biaisés, parce que ou cadrer depuis le départ. Maintenant, ça n'empêche pas pour Mounio, par exemple, là, nous parlons de décret sur renforcement de sécurité, et qui dit constitue des actes de terrorisme dans plusieurs alinéas, il y a 15 alinéas. Et détention, port d'armes à feu, au transport illicite d'armes et de munitions, le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant, en y laissant des matériaux ou des choses quelconques dans le but d'empêcher ou de diminuer la liberté ou la sûreté de passage, le fait de porter atteinte à l'intégrité de la voie publique dans son sol, ses aménagements, bornes, panneaux de signalisation, de la dégrader même partiellement ou légèrement, ou d'y abandonner ou laisser tomber des déchets, des substances sales, nocives ou glissantes dans le but de préjudicier à l'intégrité des usagers des biens publics ou privés. Ou font qu'on choque, crason n'a pas des ou crason on part en prison, on institution publique ou bon véhicule de l'État. Et ou théorie, automatiquement, si bien comprennent les dispositions de crason. Alors, soit suivre l'actualité juridique, là, une équipe moun yo mettre en prison, exécutif là, li sauter son question loin que loi pas bon pour lui, mal bon mal. Il y a des gens, par exemple, Anel Bélis est très connu. Il a arrêté pour détention d'armes illégales. Là, on doit se sortir au volet correctionnel. Exécutif l'a fâché, il dit c'est un appel. Alors, le commissaire gouvernement lui-même, il dit non, il n'a pas fait appel. Pour qui ça, c'est parce que la loi sur la détention d'armes illégales en Haïti, qui remontait en 1989, il dit qu'on t'a vendu, qu'on t'a en détention, qu'on t'a fait trafic, qu'on t'a grand généralement, il sait un délit correctionnel. Donc, Kounia, comme nous, en situation de crise, la politique est saisie le droit, eh bien, il y a tout Kounia prend ça au lieu de correctionnaliser, il y a criminalisé. Mais, il y a oublié un grain de magaille. Un, la loi pénale, la loi n'a pas d'effet rétroactif. Donc, ce qui signifie, moun sa yo ta ka vise par rapport à texte ça, il ne peut pas jamais ka juger sous nouvel texte que les loi. Parce que c'est sous ancien, parce que ça a été commettre là, infraction a été commettre là, l'air a été commettre là, loi qui était en vigueur, c'était loi 1989. Là. Donc maintenant, Kounia, il a déclaré, ou par exemple, il a dit, on a fini maintenant,
et ont déclaré ou sont terroristes si c'était une arme illégale. Et puis, vous parlez de pile ou l'index à l'audio. Et peine, ou de peine, code pénal là. Ouais, vous cumulez le peine là. Ou de peine, code pénal là, pas le prévoir pour détention de l'arme illégale. Eh bien, si vous avez une arme illégale, non. Et que le nombre de peines qu'on va prendre à l'année de peine, c'est le nombre de munitions que vous jouez en deux armes ou bien vous jouez dans la machine. Donc, ce qui veut dire, nous avons une situation juridique extraordinaire. Est-ce que c'est texte d'application ou bien les codes pénales, ça va réussir une application dans deux ans? Est-ce que ce texte-là, c'est un texte transitoire qui est lié? Et puis, ce chapitre code pénal qui parle de terroristes et crimes contre la nation qui va l'appliquer. Nous venons tomber dans des ordres normatifs. Que là nous tournons dans une situation normale, je pense, et il faut que vous êtes capable de rétablir, parce que nous allons tomber dans un conflit sous table, un conflit de texte, un conflit de loi. Dernière question, hein? Et article 2 et loi ça sur renforcement la justice et sécurité, pardon. Les personnes physiques et coupables d'actes de terrorisme sont passibles de 30 à 50 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 2 millions à 200 millions de gourdes, sans préjudice des dommages et intérêts et autres peines prévues par le code pénal. C'est là où souligner que cumule de peine. Non. En cas de récidive, c'est réclusion à perpétuité. Et puis article 3, lorsqu'une personne morale est coupable d'actes de terrorisme, elle est passible d'une amende de 10 millions à 1 milliard de gourdes et de l'une ou de plusieurs peines complémentaires suivantes, sans préjudice des dommages et intérêts. Et puis, alors là, c'est des peines. Mais alors, la loi nous retourne, il y a une série de dispositions qui étaient réalistes ou merveilleuses, si vous avez parlé de littérature. Qui n'est pas jamais capable d'appliquer, d'abord, de toutes les façons, qui peine pour l'appliquer. Parce que, acteur ou issue, dans le code pénal là, il prévoit qui peine et qui salvage. Et nous avons une équipe loi comme ça. Nous avons des lois sur manifestation dans la rue, par exemple, depuis 1996, CNJ a été pris. Mais nous n'avons pas appliqué tout. Donc ce qui veut dire que nous entrons dans une activité utopique. Une activité utopique. Mais malheureusement, mais quand même, si on parle sur le plan juridique ou quasi, c'est l'utopie. Mais comme nous parlons de l'état de droit, nous avons été soit totalitaire ou bien en situation de révolution, puisque l'exécutif dit la politique saisit le droit, nous n'avons pas parler de droit. Eh bien, c'est une situation qui a régi, une situation exceptionnelle qu'on a. Peut-être que la situation, ça va encore, juridique après le pas et que pour rétablir et l'ordre de la loi, l'ESA, c'est la, le droit qui va encadrer la politique. Maître Laurent, merci un peu pour ce temps, ça va passer une bonne journée. Merci un peu. Kemela, c'était Maître Patrick Laurent. Nous allons diffuser pour un extrait de 5 minutes dans des cas qui réalisé avec le sénateur Benoît. Lui-même, tout a des considérations sur le décret ça. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. De l'Agence nationale d'intelligence, ANI. Et puis, il y a un deuxième encore qui aussi.